Les angoisses d'Ismaël, la soif de Phoebe. Ça me rappelle le bon vieux temps. Allongez-moi dans une flaque de pisse et ajoutez-y des fantômes hargneux. Le fantôme est discret, presque furtif. Mais ils sont clairement hantés tous les deux. Le mari de Phoebe, peut-être ? L'ancien maître d'Ismaël était un ivrogne, lui aussi. L'alcool a sans doute une place centrale dans cette affaire. Maison sur une falaise, les champs derrière et la mer à deux pas. Ça correspond à la description du capitaine. On y est. Non, non, elle n'est pas là. Où ai-je pu bien mettre cette fichue clé ? Bonjour. Hein ? Qui êtes-vous ? Je ne vous connais pas. Si ? La ressemblance avec le fantôme est troublante. Bonjour à vous, madame. Red MacRae, le bannisseur. Vous êtes une sorte de dératiseur. En quelque sorte. Je m'appelle Hepzibah Perkins. Que puis-je pour vous, jeune homme ? Ma foi, si vous le voulez bien, parlons un peu. Vraiment ? Eh bien, allons-y. Avez-vous de la famille, Goody Perkins ? Une sœur, peut-être ? Je n'ai plus de famille. Aviez-vous une sœur jumelle ? Monsieur, ma mémoire est semblable à des pages vides ces derniers temps. Mais je crois que je m'en souviendrai si j'avais une sœur. Sa mémoire est défaillante. J'ai quelque chose à vous dire. Dans la coque percée d'un bateau, j'ai trouvé le journal de votre mari. Un mari ? Quelle idée ! Je n'ai jamais été mariée. Je suis désolée. Le journal doit être incorrect. Forcément à quelqu'un d'autre, n'est-ce pas ? C'est forcément ça. Je n'ai jamais eu de mari et je ne veux pas en entendre parler. Je n'en suis pas si sûre. Avez-vous remarqué des choses étranges récemment ? Rien de plus étrange que d'habitude. Vous n'avez vu personne rôder. Des silhouettes sombres, aperçues du coin de l'œil peut-être. La sensation d'être... observez. Non. Pourquoi ? Eh bien, c'est-à-dire que je pense que vous êtes hanté par un fantôme. Un fantôme ? Ne dites pas de bêtises. J'ai des rats, peut-être. Et je suis sûre d'en avoir entendu chez moi. Mais ce ne sont que des rats. Change de sujet, pour voir ce que ça donne. Je vous ai entendu dire que vous cherchiez une clé. Vous voulez que je vous aide à la retrouver ? C'est bien gentil de votre part, jeune homme. Ce sera avec plaisir. La bonne journée, madame. Sois prudent, Richard. Sa mémoire semble confuse. Mm-hmm. Parce qu'elle est hantée. On va bien voir. Qu'est-ce que c'est ? Oui. La poussière. Elle n'a pas bougé. Elle ne doit plus venir ici. Oh, j'en veux un sur ma cheminée. Notre cheminée. Ça me plairait bien. Le bateau, beaucoup moins. Il n'y a rien d'intéressant ici. Il y a quelque chose de caché.
Je sens un écho. Une baleine. J'en ai vu une comme ça sur le bateau. Jetons un coup d'œil à l'écho avant de lui rendre sa clé. Tout va bien ? J'ai entendu un bruit ! Vous inquiétez pas, madame. Vous en faites pas pour les meubles, en tout cas. Cette sorcière a maudit le bateau de mon pauvre mari. Son corps est dans les profondeurs pendant qu'elle est libre et vivante. C'est inacceptable. Et vous le savez. Votre chagrin me touche, madame Perkins. Je suis sincèrement désolé et je jure, sur mon honneur de serviteur de Dieu, de faire éclater la vérité. Comptez sur moi pour m'occuper de cette affaire comme il se doit. En attendant, posez donc cette faucille pour éviter tout accident. Goody Perkins était très en colère. Et elle détestait Deborah. Rends-lui sa clé et fichons le camp d'ici. Est-ce que c'est... Oui, il y a quelque chose ici. Non, pas ici. Voici la clé, Goody Perkins. La clé ? Quelle clé ? La clé que vous cherchiez. Celle-là, la clé. Je ne vois pas de quelle clé vous parlez. Je n'en veux pas. Gardez-la. La bonne journée, madame. Sois prudent, Richard. On ne tirera rien de plus de Goody Perkins. Peut-être que quelqu'un pourra nous en dire plus au Hearst. Regarde, là-bas. Je crois que c'est notre fantôme. Elle nous mène quelque part. Suivons ses traces. J'aime pas les fantômes qui s'enfuient. Alors viens, dépêche-toi. Les gens changent avec le temps. Mais comme son mari est mort en mer, pourquoi en vouloir à Deborah ? Peut-être qu'elle pensait que Deborah était une sorcière, qu'elle avait vraiment pour elle. Allons demander à ce fantôme. Quand je lui aurai dégommé le cœur, détruit les feux follets dans ses racines.
cueillie à la racine. De spectre. Il va falloir les forcer à se manifester. Révélez votre vraie nature. Je peux t'aider. Ça arrive. Ah.
Donne-moi ça! Attention! Une possession spectrale. Ce cadavre va te tirer dessus. J'attends ton signal. Tu crois faire le poids face à un fantôme ? Barre-toi de là, Red ! Constance. Joli nom pour un bateau. Si c'est l'entrepôt de Phoebe Walcott, il est plus grand que je l'imaginais. Elle avait un sacré commerce. Il n'en reste pas grand-chose. Ça fera une planque parfaite pour des contrebandiers. Tu crois que c'est le cas ? À ce stade, tout est possible et tout le monde est suspect. Bon, c'est le moment d'aller chercher des réponses. Les mots du passé subsistent ici. J'aurais dû le tuer! Tuer ce sale chien! De mes propres mains! Bess! Mon amour! Pardonne-moi! Ismaël Lowe boit autant que Madame Walcott. Sauf qu'il le cache.
Ça voudrait dire qu'en cassant les bouteilles et en cachant la clé de l'entrepôt... Le fantôme essaie peut-être de l'empêcher de boire, lui, pas elle. Je suis prêt à tirer sur les racines infectées, dès que tu lui auras dégommé le cœur.
encore du lierre corrompu ne demandant qu'à être désherbé. Bien joué. Ismaël devait être complètement bourré. En ce lieu et en cet instant, je lève le voile. Bess, les dieux n'étaient pas là pour s'occuper de toi dans cette misérable vie. Et pas là non plus pour t'accueillir dans la suivante. Qu'est-ce que c'est que ça? Où suis-je? Je suis vraiment désolé, Bess. Ismaël? Mon mari? Le paradis n'existe pas, mais j'irai quand même en enfer. Arrête de te torturer. Bess? Mais comment? Mais pourquoi? Que t'est-il arrivé, Ismaël Lo? Il faut que ça cesse. Reprends-toi. Quitte-la. Voilà donc notre fantôme discret. Bess Lo. Bess a perçu son supplice. Et est revenu vers lui après toutes ces années. Il nous faut le lien de Bess pour pouvoir la pousser à se manifester. La Red. Le... Un acte de libération écrit pour Ismaël après le meurtre de sa femme Bess. On a notre lien. On a notre lien. On va pouvoir pousser Bess à se manifester. Qu'est-ce que je...
Vous devez être la femme d'Ismaël Lo. Je m'appelle Antea Duarte, et voici Red MacRaes. Nous sommes bannisseurs. Vous allez bannir le fantôme de Bess Lo? Est-ce que ça va soulager sa douleur? Avant toute chose, vous n'en avez pas après Phoebe Walcott, je me trompe? C'est pour Ismaël que vous êtes là. Je ne sais pas ce que je fais là. Je veux juste que mon tourment cesse. Vous êtes morte depuis longtemps, Bess. Qu'est-ce qui vous ramène ici? Mon mari. Son alcoolisme a réveillé ma douleur et m'a ramenée auprès de lui. Je n'étais rien. Je n'étais nulle part. Et tout à coup, le monde m'est apparu et j'y ai trouvé Ismaël gisant par terre. Désespéré. C'est son désespoir qui vous a ramené? C'est pour ça que vous êtes là? Peut-être. Je ne sais pas. J'ai entendu Ismaël parler, et ses paroles étaient pleines de douleur. Il a prononcé un nom, celui de mon assassin. Ce sont eux qui m'ont ramené, Ismaël et sa douleur. Cette femme et son poison. Il faut que ça cesse. Il souffre. Il ne voulait pas vous ramener. Peu importe leurs intentions, sa folie le contamine. Je suis prisonnière de leur désespoir. J'en suis prisonnière à cause de son emprise sur mon mari. Et j'aimerais que ça cesse. On va s'en aller. Mais on vous invitera bientôt à vous manifester à nouveau. Ne résistez pas à notre appel. Ismaël et Phoebe seront là. Qui ? Votre mari et son ami. À nous tous, nous mettrons fin à cette situation. Faites vite. Je n'entends presque plus mon Ismaël maintenant. Il est noyé dans la souffrance. Enfin résolu cette triste affaire. Oui. Du chagrin, de la douleur, de la honte, de la culpabilité. Quel épouvantable balai. Ismaël et Phoebe me rappellent ce que j'ai traversé pendant un moment. Je m'en souviens. Thank you.
Arrête ce spectre avant qu'il ne prenne possession du corps. Retourne en enfer. Ce cadavre va te tirer dessus. De chasse fantôme. Merci. Je sens un courant d'air. Ça vient de l'invisible. Chose dans quoi. Mais où exactement? Sa présence me file des suies. C'est maudit, tu crois? Puissant vous étiez, faible vous partez.
calme. Ça n'a pas d'importance. Ce n'est pas la peine d'avoir honte. Monsieur McGrace, vous revoilà. Ismaël ne se sent pas très bien. Mieux vaut le laisser tranquille. D'autres problèmes ? Il a fait une nouvelle crise, comme la dernière fois. Il se remet. Je lui ai donné un verre. Il a accepté cette fois. Ismaël avait un problème avec l'alcool. Vous pensez vraiment que c'est une bonne idée ? Je suis l'ivrogne du coin. Qu'est-ce que je peux faire d'autre ? De toute façon... il a un vrai balai dans le cul. Ça le décoincerait de boire un coup. C'est de l'alcool. Je crois que vous surestimez beaucoup ses vertus thérapeutiques. Croyez-en ma grande expérience, je suis mieux placée que quiconque pour évaluer le pouvoir de l'alcool. Et puis, il n'en veut jamais. Et c'est bien dommage. Il n'y a rien de tel qu'une ou deux gorgées pour soulager une âme en peine. Ismaël Lowe est hanté par le fantôme de sa femme. Mais même sans elle, leur situation est foireuse. Il va falloir qu'on discute. Venez aussi, Bess. Allez, c'est le moment de vous montrer. Phoebe Walcott, voici Bess Lowe. Bess, vous connaissez déjà Phoebe ? Bess ? Mon amour ? Comment ? Je pensais rêver. Tu étais vraiment là ? Je l'étais. Je le suis. Et plus pour longtemps, je vous en supplie. Ah, c'est vous, Bess, la fameuse Bess, la sienne. Ismaël va bien, ne vous en faites pas. Enfin, il ira bientôt mieux. Ismaël s'est mis à boire autant que vous. L'alcool ne résoudra pas le problème. Évidemment que non, mais au moins on s'amusera en attendant de rien résoudre du tout. Vous le faites souffrir, et je ne supporte plus la douleur. Ne venez pas me parler de douleur. Vous ne savez rien de ma douleur. Ferme-la, Phoebe. Toi, ferme-la, et la bouteille aussi, tant que t'y es. Arrêtez avec vos disputes stériles. Il est temps d'en finir avec cette histoire. Phoebe Walcott. Vous vous êtes tourné vers l'alcool pour apaiser la douleur d'un passé tragique. Vous ne pouviez pas vous douter que cela entraînerait une hantise. Mais c'est pourtant arrivé. Et je dois y mettre fin. Je vous jure que je n'ai jamais voulu faire de mal qu'à moi-même. Je sais. Au diable tout ça. Faites ce que vous avez à faire. Si vous comptez pas me donner un dernier verre pour la route, finissons-en. Maman arrive bientôt. Oh non. Phoebe. Ma chère Phoebe. Encore cet endroit. On a peut-être manqué quelque chose la première fois.
Hé, dégage! Rester là. Ça pourrait être un bon endroit pour traverser. Comment un vieux bateau se retrouve-t-il tout neuf par magie ? Dégage-toi ! Je pense qu'il doit y avoir un moyen de traverser dans les parages. Ça pourrait être un bon endroit pour traverser. Tu vois quelque chose qui pourrait nous aider ? Continue de chercher ici. L'endroit est forcément proche.
Il faut qu'on trouve un endroit où traverser. Essaie de trouver un passage. Je m'en occupe. L'endroit est forcément proche. Ça pourrait être un bon endroit pour traverser. Il faut qu'on trouve un endroit où traverser. Il faut qu'on trouve un endroit où traverser. Yeah.